je te fais voir. Donc, se forme. Encore quelques gouttes. Ça se tend comme ça, si j'en mets un petit peu, et puis que ça se tend. On va voir déjà pour la première couche comment ça se passe. Je trouve que le produit est en train de se tendre. Je suis plutôt confiant. Par contre, à l'intérieur, j'ai un petit problème. Je vais te faire voir. Alors, ce que tu vois là, ce n'est pas de la brillance. Ce que tu vois là, c'est réellement de la peinture qui n'est pas couverte. Ici et ici, tu vois. Là, là, c'est des trous. Alors, est-ce que... Il y a eu de l'huile qui s'est mis dessus. Parce que normalement, ça aurait dû couvrir. Et j'ai l'impression que ça fait un trou, tu sais, comme ça. Et puis que ça s'écarte. J'ai l'impression que c'est de l'huile. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est attendre que ça sèche. Et une fois que ça va être sec, je vais voir comment je vais le retraiter. Je pense que de repasser une couche n'arrangera pas forcément le problème. Allez, je te fais un petit tour d'horizon sur la première couche. Regarde la tranche. Donc là, j'en ai mis pas mal, et en fait, c'est une erreur. Hein. Il ne faut pas en mettre autant. Surtout, n'en mets pas autant que ça sur la première couche. Alors, ça va que c'est une peinture qui, elle, va se tendre et qui va rattraper un petit peu, bah, entre guillemets, mon erreur de pulvérisation. Mais si ça avait été une autre peinture, peut-être qu'elle serait mise à couler, tu vois. Il vaut mieux être un peu comme ça sur la première couche, quitte à avoir un léger manque, mais vaut mieux avoir un petit léger manque que en avoir trop. Voilà, donc l'application s'est très bien passée, même si elle est un peu partie en gouttes, même si ça te fait une petite goutte un peu ronde, du fait que c'est une peinture qui se tende parfaitement, eh bien, quelque part, ça rattrape l'erreur de pulvérisation. Je suis revenu à l'atelier, ça fait une heure que c'est appliqué. Regarde le tendu de la tablette. Alors c'est vraiment dommage que... Attends, je mets ma main. C'est vraiment qu'il fasse le point. Je ne suis pas sûr qu'il puisse faire le point. Voilà.
Donc c'est vraiment dommage que nous soyons pas en cabine, parce que tu vois, il y a un petit peu de poussière qui est tombée sur le support. Mais là, tu le vois concrètement que c'est d'un tendu. Ça va être super beau.